Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue pour ce second apéro au cirque, qui normalement aurait dû être le troisième, mais le second s'est résumé à un apéro tout court, en raison de la température ambiante, puisque l'ambiance dans la pièce était plus froide que les glaçons du Ricard, donc nous avons dû annuler le spectacle, nous nous sommes contentés d'un apéro bien sympa entre nous. Donc bienvenue à ce deuxième apéro cirque. Je vous explique un petit rappel sur le format. Donc nous invitons toujours notre troupe à nous montrer un peu comment évoluent ces numéros de fin d'année. Nous invitons si possible nos professeurs à nous montrer ce dont ils sont capables. Et nous essayons chaque fois aussi d'inviter des artistes. Dernière invitation d'ailleurs, la compagnie Leroux, qui a fait un tabac à Paris, à guichet fermé, à Bobino pendant les deux ou trois dernières semaines, et qui maintenant se voit contracté partout en Europe et dans le monde. Je vous parle à nouveau du format, donc une fois que ce spectacle est terminé, on installera les tables pour l'apéritif, afin qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse y rencontrer les gens du bureau, les professeurs, les élèves, un peu tout le monde. Voilà le principe, toujours le même, donc une participation. Nous mettrons des petits cochons au fond de la salle, et puis ce sera votre bon vouloir. Voilà, donc je remercie évidemment tous les gens qui ont participé ce soir à cette organisation, à commencer par Ingrid, notre secrétaire, les professeurs de l'école qui ont tous mouillé le maillot, et puis les artistes que vous allez voir très bientôt, les enfants de la troupe, commencer à les connaître, certains. Ensuite, Rémi et Charlotte, qui nous présenteront aussi des numéros, et Alan et Elisa. Et maintenant, que vive le cirque et vive le spectacle.